Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Amen. Voilà, alors on va reprendre un tout petit peu, sans reprendre en détail, mais faire une petite synthèse de tout ce qu'on a fait depuis le début, et puis avancer encore. Donc, je ne reviens pas sur l'introduction, ni sur l'importance de se mettre à l'école de la philosophie d'Aristote, qui est un philosophe, le seul pratiquement, selon l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, le seul qui peut coopérer vraiment à une théologie, c'est-à-dire une explicitation de la parole de Dieu. Dieu a pris un langage humain qui se sert de la réalité que nous connaissons pour nous parler. Et si j'ai une connaissance réaliste de la réalité que j'expère, la réalité de tous les jours, quotidienne, alors je suis disposé à connaître la parole de Dieu, puisque Dieu me parle de la réalité qui est la mienne, de ma vie de tous les jours. Vous voyez, une philosophie qui serait idéaliste ne pourrait pas du tout coopérer à une théologie, hein, puisque Dieu me parle de réalités concrètes, il parle de l'agneau, du loup, de la semence, des réalités de la nature. Et donc si j'ai une philosophie qui étudie la réalité de la nature, par exemple, eh bien, je peux coopérer avec la parole de Dieu. Et le mystère qui nous est révélé par l'Écriture, c'est le mystère de Dieu, qui est la réalité première, la réalité par excellence, Dieu. C'est pas une idée, hein, c'est une réalité. Et donc, si en philosophie j'étudie la réalité et que je suis capable d'atteindre cette réalité première, alors, en théologie, eh bien, mon intelligence est préparée, elle est disposée. Elle est pleinement adéquate à la parole de Dieu. Donc, l'importance d'étudier une philosophie réaliste comme celle d'Aristote, c'est celle-là. Hein, c'est d'abord former l'intelligence à la recherche de la vérité, mais une recherche de la vérité qui est adéquate au réel. Hein, et puis, ensuite, pousser jusqu'au bout, cette philosophie découvre l'existence de la réalité première que les traditions religieuses appellent Dieu, et donc elle dispose à une théologie qui explicite et qui scrute la parole de Dieu. Donc vous comprenez bien que la philosophie est d'abord un amour de la vérité. Hein, l'étymologie, c'est ça, hein, philo, philia et sophia, hein, donc l'amour de la vérité. Mais cet amour de la vérité, ça ne suffit pas pour faire de la philosophie. La philosophie veut être une recherche de vérité qui est scientifique. Scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on touche la nécessité, hein, une chose qui ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Hein, s'il n'y a pas de nécessité, qu'on n'est que dans la contingence, on ne peut pas faire d'analyse, parce que la contingence, ça varie. La nécessité, ça ne change pas. Donc, pour faire une analyse scientifique, il faut toucher le nécessaire. Voyez ? Donc, aimer la vérité, et en même temps, pour faire une analyse, toucher quelque chose de nécessaire et qui ne change pas. Alors, Aristote s'est trouvé devant une école philosophique qui était celle de Platon, contre laquelle il a réagi. Vous voyez ça, quand on aime la vérité, quand on se trouve devant une erreur, eh bien on réagit et on cherche. On cherche qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi c'est faux et qu'est-ce qu'il faut faire autrement. Hein. Platon donc avait un système philosophique à partir des idées, parce qu'il a subi des influences diverses. Hein. Il a subi l'influence d'abord de Socrate. Vous vous rappelez, Socrate, on en avait parlé, hein, qui était celui qui faisait accoucher, comme il disait,
les concepts, c'est-à-dire il se trouvait en face des sophistes et des jeunes d'Athènes qui se corrompaient, et donc il fallait absolument les éclairer, pour les éclairer, les aider à réfléchir, à chercher la vérité, donc poser des questions. Et face aux sophistes, la même chose, poser des questions pour leur montrer que ce qu'ils disaient, ils ne savaient pas bien ce qu'ils disaient. Hein? Donc, poser des questions et aider à réfléchir, et du coup, il aboutissait à des définitions, vous voyez, préciser les concepts. Et là, la notion d'universel, une définition, c'est une mesure qui vaut pour tous les cas particuliers, donc quelque chose qui dépasse les cas particuliers, puisqu'elle les mesure, c'est ça l'universel. Et Platon a repris ça de Socrate, hein, l'aspect de l'universalité. Il a subi aussi l'influence d'Héraclite. Héraclite qui disait que la réalité elle change tout le temps. Elle n'est pas nécessaire. Hein, et donc ce qui est universel ne change pas. Vous voyez, petit à petit on s'achemine vers l'idée qui est universelle et qui ne change pas. Et puis Démocrite aussi, Pythagore, hein, toutes les influences qu'a subi Platon. Alors Démocrite, c'était, il y a l'être et puis il y a le non-être. Alors l'être, c'est ce qui ne change pas, il est. Tandis que ce qui devient, eh bien, il passe par du non-être, parce qu'il n'est plus ce qu'il était. Donc il est nié et puis il change. Donc c'est pas fiable. Pour faire une philosophie, il faut toucher le nécessaire. Alors j'ai trouvé un petit passage dans la Métaphysique où Aristote décrit un petit peu les influences de Platon. C'est très intéressant, c'est un petit résumé qui est très très bien fait, donc qui se trouve dans la Métaphysique au livre Grand Alpha, chapitre 6, 986 à 28 et suivante. Voici ce que dit Aristote. Après les philosophies dont nous venons de parler, survint la théorie de Platon, en accord le plus souvent avec celle des pythagoriciens. Pythagoriciens, c'est l'école d'Italie, hein, qui disait que les réalités étaient constituées de nombres. Voyez, et les nombres, déjà, c'est quelque chose d'universel. Hein. Donc les réalités étaient, aujourd'hui on dit d'atomes, on dit de constituées de particules, etc. Mais les pythagoriciens, ils voyaient les chiffres partout. Partout, partout, partout. Les nombres pouvaient, les réalités pouvaient toujours se réduire à des nombres. Voyez. Alors, mais qui a aussi ses caractères propres, la philosophie de Platon, bien à part de la philosophie de l'école italique, donc celle des pythagoriciens. Dès sa jeunesse, Platon étant devenu d'abord ami de Cratyle, donc un disciple de Socrate, et familier avec les opinions d'Héraclite, selon lesquelles toutes les choses sensibles sont dans un flux perpétuel et ne peuvent être objet de science. Ça change tout le temps. Hein, le fleuve Pantarei, hein, ça coule. Donc le fleuve, eh bien, on ne peut pas... Et qu'est-ce qui ne change pas dans le fleuve? C'est son nom. Le nom est au-delà de la réalité singulière. Alors ça, le nom, déjà, il est abstrait. Hein, on s'approche de l'universel. Ne peuvent être objets de science, demeura par suite fidèle à cette doctrine, Platon. D'un autre côté, Socrate, dont les préoccupations portaient sur les choses morales et nullement sur la nature dans son ensemble. Rappelez, on avait rappelé ça, que les premiers philosophes s'intéressaient à la nature. Quel est le principe de la nature? Et Socrate a fait une révolution philosophique à cause du milieu dans lequel il était, ces jeunes qui voulaient sauver de la corruption. Et il a détourner la réflexion philosophique de la nature vers plutôt la personne humaine, son agir, son vécu dans la société. C'est ça qui est intéressant plus que la nature. Et à partir de Socrate, tout le monde s'est orienté à quitter, sans lâcher complètement, mais c'était plus centre d'intérêt, la nature. C'était plus centre d'intérêt. C'était la personne humaine qu'il fallait étudier. Hein? Donc, d'un autre côté, Socrate, dont les préoccupations portaient sur les choses morales et nullement sur la nature dans son ensemble, avait pourtant, dans ce domaine, cherché l'universel et fixé le premier la pensée sur les définitions. Platon accepta son enseignement, mais sa formation première l'amena à penser que cet universel devait exister dans les réalités d'un autre ordre que les choses sensibles, parce que les choses sensibles changent. Elles ne sont pas fiables. C'est contingent.
Tandis que les définitions qui touchent l'universel, ah voilà, ça, ça ne change pas. Homme, ça ne change pas. Mais tel homme, il change tout le temps. Hein? Donc, pour Platon, c'est le nécessaire pour faire une philosophie scientifique, eh bien, c'était l'universel, et donc l'idée. Hein? Il est impossible, en effet, croyait-il, que les définitions communes existent dans aucun des objets sensibles individuels. Vous voyez? Homme, ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité concrète, homme. C'est un universel. Ce qui existe, c'est Pierre, Paul, Jacques et Jean, qui ont la nature humaine, mais homme, ça n'existe pas. C'est un concept. De ceux du moins qui sont perpétuels changements, guidés par ces raisons, il donna alors à de telles réalités le nom d'idées, disant, d'autre part, que les choses sensibles sont séparées des idées et sont toutes dénommées d'après elles. Donc, il reprend la théorie des pythagoriciens, sauf qu'il change le nom. Il prend le nom de participation, c'est-à-dire les réalités concrètes participent des idées. C'est en effet par participation qu'existe la pluralité sensible, univoque, à l'égard des idées. Vous voyez, même Aristote emploie le terme d'univocité à propos des idées. Toujours la même signification. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au point de départ, la justice. Ça a la même signification pour l'en politique qu'au plan personnel. Oui, ce qui n'est pas tout à fait juste. Hein. Quant à cette participation, Platon ne modifiait que le nom. Les pythagoriciens, en effet, disaient que les êtres existent par imitation des nombres. Pour Platon, c'est une participation, le mot seul est changé. Toutefois, cette participation ou imitation des idées, qu'elle en peut être la nature, c'est là une recherche qu'ils ont laissée dans la décision. Hein, c'est facile de dire que les réalités sensibles participent des idées, mais ça veut dire quoi participer? Hein, concrètement, c'est quoi participer? Quel est le lien entre l'idée et la réalité concrète? Mais participer, c'est dans la tête des gens. Donc, c'est surtout sur la question du bien que Aristote a réagi. L'idée de bien en soi a la même signification au plan politique qu'est la justice, le bien de la cité c'est la justice, qu'au plan personnel. Et le bien au plan personnel c'est une personne, c'est pas la justice. Au plan personnel, le bien personnel c'est une personne. Et donc Aristote a dit, mais ça colle pas à la réalité ça. Et donc il a réagi et puis il a cherché à comprendre. Hein? Vous voyez, pour Platon, le bien, l'idée du bien, est participée au plan politique par la justice. Parce que le bien de la cité, c'est la justice. Et au niveau personnel, comme il y a univocité, c'est la même signification, le bien personnel, eh bien, c'est aussi la justice. Vous voyez, justice au plan politique, justice au plan personnel. Alors, c'est vrai que la justice est un bien. Mais au plan personnel, le bien qui est capable de finaliser ma vie, ce n'est pas la justice, c'est l'amour. Hein? L'amour d'une personne, le bien, la personne est un bien bien supérieur à la justice. La justice dépend de la relation avec la personne. Elle est relative, donc elle ne peut pas être première. Tandis que pour Platon, l'idée du bien est absolument première, et cette idée du bien est participée, c'est-à-dire c'est la même signification de l'idée du bien en soi. L'idée du bien, c'est le bien en soi. Participer au niveau politique, c'est la justice. Ça se trouve dans la République. Et au niveau personnel, c'est aussi la justice. Mais avec la même signification. Et Aristote dit non. Le bien de la cité, c'est d'abord, on peut dire que c'est un peu la justice, mais c'est surtout le bien commun. Hein, qui réclame la justice, c'est-à-dire l'ordre pour travailler ensemble, etc. Mais le bien personnel, ce n'est pas la justice, c'est une personne humaine. Le bien de la communauté, c'est le bien commun, ce qu'on produit tous ensemble pour vivre. Hein. Et le bien personnel, ce n'est pas la justice. Bien sûr que la justice au bien est un bien personnel, mais il y a un bien bien plus profond, hein, c'est la personne humaine. Et je suis juste dans mon rapport avec la personne humaine. Mais c'est la personne humaine comme bien qui commande la justice. Hein? Si je me rapporte mal avec la personne humaine, qui est mon bien, je ne suis plus juste. Mais c'est une conséquence. Hein? C'est l'amour qui est premier. Quand vous dites mon bien, mon bien, c'est mon bien ou c'est une personne?
Mon bien, c'est une personne, mais c'est pas mon bien au sens d'accaparement, voyez, mon bien que je possède, c'est pas ça. C'est le bien qui m'attire, donc d'une certaine manière, c'est mon bien, hein, voyez, mais elle me transcende et je n'ai aucun droit, justement. Hein. Et ça, quand une personne humaine est un bien qui m'attire, mais la première des choses, comme elle m'attire, elle est première par rapport à moi. Et donc, je suis relatif, puisqu'elle m'attire, je suis relatif. Être attiré, c'est être relatif. Donc, je ne peux pas la posséder. Ce n'est pas mon bien au sens de la possession. Ce n'est pas un mon qui est un pronom possessif, hein, on dit. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est le bien auquel je suis relatif. Donc, c'est mon bien, en ce sens-là. Hein. Donc, pour Platon, ça ne colle pas à la réalité, ça. C'était cette philosophie du bien de Platon. Ça ne colle pas à la réalité, cette philosophie du bien de Platon. Donc, il a repris et puis critiqué beaucoup cette philosophie du bien de Platon pour essayer de comprendre et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est découvrir, eh bien, le bien a des significations diverses. Vous voyez, Platon, c'est toujours la même signification. Le bien en soi est participé dans la cité et c'est la justice. Le bien en soi dans la cité, c'est la justice. Et au plan personnel, c'est aussi la justice, mais avec la même signification. Hein, c'est-à-dire la justice qui est réglée par la loi. Voyez, et au bien personnel, eh bien, c'est la justice réglée aussi par la loi. Voyez, et Aristote dit non. Le bien de la cité, c'est le bien commun. Le bien personnel, c'est une personne. Hein? Donc, autrement dit, le bien a des significations diverses. Il n'a pas toujours la même signification. Il a des significations différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analogie du bien. Pourtant, c'est le même mot qu'on utilise. Une personne et la loi, ce n'est pas la même chose. Une personne et la loi. Hein? Si je dis que le bien de la cité, c'est la justice, donc la loi, et que mon bien personnel, c'est une personne humaine et la loi, c'est pas pareil. Donc il dit, le bien n'a pas le même sens. Pourtant, c'est le même mot. Ça veut dire qu'il y a un point commun. C'est ça l'analogie. On utilise le même mot parce qu'il y a un point commun. Et tout le reste, c'est autre. Analogie du bien, qui permet à Aristote, vous voyez, alors cette analogie, ce n'est pas l'équivoque non plus. Vous voyez, par exemple, la constellation du chien et puis Lilou. C'est le même nom, c'est le chien. Ce n'est pas une analogie, c'est une équivoque. Mais la constellation du chien, ça représente un chien. Oui, alors ça, oui, il y a l'image. Hein, mais c'est quelque chose de vivant. Oui, c'est métaphorique, hein, c'est-à-dire c'est une analogie métaphorique, c'est à partir de l'image. Vous voyez, c'est la représentation du chien dans des... Voilà le point commun, c'est une métaphore. Mais ça ne touche pas la réalité. Tandis que l'analogie du bien, le point commun, touche le réel. Hein, ce n'est pas une métaphore, ça touche le réel. C'est-à-dire, c'est capable, ce que dira Aristote, hein, de finaliser une activité. Une réalité qui finalise mon activité. Alors, première chose, l'analogie du bien. Le bien a des significations diverses, ce qui permet à Aristote de bien distinguer l'activité humaine. Parce que l'activité humaine est toujours en vue d'un bien. Alors, il y a le bien que je fabrique, et il y a le bien que je ne fabrique pas, que je découvre. Oui, le bien que je fabrique, c'est ce que je produis. L'activité du travail, l'activité artistique, ça c'est le bien que je produis. Et puis, le bien que je découvre, une personne humaine, que je connais, puis tout d'un coup, je la connais d'une autre manière parce qu'elle m'attire, vous voyez, c'est un bien qui m'attire. Donc, je ne la produis pas. Et donc, l'activité pratique humaine est très diverse entre faire, produire un bien, et un bien que je découvre progressivement, ou alors j'ai le coup de foudre, ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas la même activité, vous comprenez bien. Eh bien, ces biens, autant celui que je produis que celui qui m'attire, n'ont pas la même signification. Une œuvre et une personne humaine, c'est quand même pas la même chose. Mais où est le point commun? Eh bien, le point commun, c'est que ce bien, il est fin. C'est-à-dire, il finalise une activité.
Une personne qui m'attire, elle va être la motivation de mon agir. Je vais essayer de la rejoindre, de la connaître mieux, de coopérer avec elle, etc. Un bien qui est une œuvre, je la pense. Et puis, je suis inspiré, et puis j'essaye de la réaliser. Vous voyez, c'est une activité qui est tout autre. Une personne humaine, je ne la produis pas, je ne la transforme pas, au contraire. Hein? Donc, l'analogie du bien permet à Aristote de bien distinguer les activités pratiques humaines. Autre chose est produire un bien, autre chose est découvrir un bien qui m'attire. Ça ne suffit pas pour faire la philosophie, ça suffit pour distinguer mieux les activités humaines. Vous rappelez qu'on veut d'abord connaître la personne de façon réaliste, c'est à partir de ce qu'on voit, l'expérience qu'on fait. L'expérience première qu'on fait de la personne, ce sont ses activités. C'est ce qui se voit. C'est ce qui peut se toucher du doigt, pratiquement. Hein. Tout ce qui est la vie intérieure de la personne, je ne le vois pas. Et je ne peux pas faire une analyse philosophique de ça. Hein. Tandis, voir un artiste qui fait une œuvre, ça, je peux voir, je peux analyser pourquoi il fait ça d'abord, pourquoi il fait ça après. Hein. Donc, analogie du bien. Le bien est fin. Alors voilà, je touche une causalité. Le bien est fin, c'est-à-dire le bien est cause de quoi ? Cause de mon activité. Aussi bien le bien qui m'attire, il est cause du fait que je vais essayer de la rejoindre, de coopérer, de la connaître mieux, que le bien que je produis. J'ai en vue, je suis inspiré, puis je veux faire un meuble nouveau qui sera extraordinaire. Eh bien, il faut que je pense, il faut que je choisisse une matière, il faut que je choisisse des outils. Il faut choisir les étapes de la production, voir si c'est réalisable, etc. Vous voyez, c'est des activités qui sont très diverses, mais qui finalisent. C'est-à-dire, c'est ce bien qui va me mouvoir dans mon activité pratique humaine. Tout bien est fin de mon activité. Mais diversement, c'est ça l'analogie, hein. Ça finalise diversement l'amour que le travail. La motivation du travail, ce n'est pas la même que celle de l'amour. C'est les biens différents. Vous voyez ? Donc, analogie du bien, le bien est fin, donc il y a une causalité. S'il y a une causalité, je touche le nécessaire, parce que la cause produit un effet. Quel effet produit le bien ? Le bien qui m'attire, il produit un effet de désir et d'activité pour rejoindre le bien qui m'attire. Quel effet produit le bien que je veux produire, l'œuvre que je veux produire ? Ben, il me meut dans mon travail. Vous voyez ? Donc le bien est fin. Mais ça ne suffit pas pour faire une philosophie. Il faut qu'il y ait un principe propre, ce qu'on appelle un principe propre. Vous voyez, qui soit universel. Pour le moment, dire que le bien est fin, ben, c'est vrai dans mon agir pratique singulier. Hein ? Mais si je veux faire une analyse scientifique, qui touche le nécessaire, donc on a déjà la causalité qui est un nécessaire, mais c'est singulier, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Si je veux une analyse philosophique qui soit universelle, qui vaut pour toutes, parce que c'est une recherche de vérité, on a tous la même intelligence, une intelligence, on a tous la faculté, et donc de réfléchir, de chercher la vérité, de l'aimer, il faut que je fasse une philosophie qui soit la même pour tous, puisqu'on a la même intelligence, la même capacité de rechercher la vérité. Donc, je ne peux pas m'arrêter au contingent et dire « le bien est fin ». C'est vrai pour chacun d'entre nous, mais c'est des biens divers. Alors, c'est ça le principe propre. Le principe propre, c'est quelque chose qui me permet de faire une analyse philosophique abstraite. Abstraite, hein, mais à partir de l'expérience concrète que j'ai du travail, de l'amour, mais qui vaut pour tout le monde. Donc, il faut que je découvre un principe propre. Alors, l'étape suivante, c'est qu'Aristote va essayer de chercher est-ce qu'il y a un principe propre de l'agir humain éthique. C'est-à-dire là, on laisse tomber le bien qui me dans mon travail, hein, qui me motive dans mon travail, et je m'intéresse uniquement au bien que je découvre. Le bien de la personne humaine, qui est la personne humaine qui va susciter mon activité pratique dans l'amour. Je m'intéresse, l'éthique c'est ça. Hein. L'éthique c'est l'étude de l'activité humaine pratique vers un bien qui m'attire. La philosophie de l'art,
C'est l'étude de l'activité pratique humaine vers un bien que je produis, hein, qui m'attire en quelque sorte, mais il n'est pas préexistant, je le produis. Hein, c'est pas pareil. Alors, l'éthique, ce qu'on étudie dans Aristote, l'éthique à Nicomaque, hein, c'est cette activité, l'étude de l'activité pratique humaine par rapport, qui est mue par un bien qui m'attire. Donc, l'amour, si vous voulez. Hein. Alors, premier raisonnement d'Aristote, est-ce qu'il y a un principe propre de cette activité humaine pratique du bien qui m'attire? C'est qui vaut pour tout le monde. Et il découvre, oui, par un petit raisonnement, en disant, ben, si je regarde la vie humaine, éthique de toute personne, qu'est-ce qui nous meut dans notre agir humain? C'est à la recherche du bonheur. Pour tout le monde. Hein, c'est le tout début de l'éthique, il dit tout le monde recherche le bonheur. Quant à savoir ce que c'est que le bonheur, alors là tout le monde diverge. Hein. Il y en a qui disent c'est l'argent, d'autres qui disent c'est le plaisir, d'autres qui disent c'est l'amour, d'autres qui disent etc. la contemplation. Alors ça c'est bien. Alors on va s'intéresser à savoir est-ce qu'il y a un bien qui est le même pour tout le monde. La recherche du principe propre, ce n'est pas encore ça. Hein. Ça viendra après. Déterminer quel est ce bien que tout le monde recherche éperdument dans tout ce qu'il fait. Pour le moment, on essaye d'établir une philosophie éthique, c'est-à-dire un principe propre du bien, et il découvre qu'il y a un principe propre de bien. Comment? Eh bien, il dit, c'est vrai que toutes mes activités humaines sont en vue du bonheur. Et quelles sont ces activités humaines qui recherchent dans le bonheur? Ben, des activités humaines qui sont très très diverses. Hein. Vous êtes obligé de dormir. Bon, ça, c'est une activité du corps. Parce que l'esprit, il est il fonctionne pas pendant le sommeil. Hein. Il y a l'imagination qui fonctionne, mais pas l'intelligence. Sinon, vous seriez éveillé. Hein, l'intelligence, c'est la faculté de l'éveil. Donc, quand je dors, l'intelligence et puis la volonté, c'est pareil. Hein. Il n'y a plus rien. Activité, mais c'est mon bien. Si je ne dors pas, je ne pourrais pas vivre. Puis, cherche la vérité. C'est aussi mon bien. Quel rapport y a-t-il entre dormir et chercher? C'est des opposés. On ne peut pas les mettre ensemble. C'est des choses qui sont contraires, qui s'opposent. Et pourtant, c'est mon bien personnel. Donc, il y a quelque chose qui fait l'unité de ces deux activités qui s'opposent. Puisque c'est à chaque fois mon bien personnel. Qu'est-ce qui fait l'unité? C'est la recherche du bonheur. Même si je ne sais pas quel est mon bonheur encore, je cherche mon bonheur, je peux le constater, tout le monde recherche le bonheur. Et je découvre qu'entre dormir et chercher la vérité, il y a un ordre. C'est-à-dire, je dors pour être éveillé. Et au fond, le bien principal que je recherche, c'est le bien fin qui meut tout mon agir. Aristote dit, un tel bien fin, c'est ce que nous recherchons, qui est le bonheur. Même si je ne sais pas encore quelle est la nature de ce bonheur. Donc il découvre un principe propre, qui est le bien, qui finalise toutes mes activités éthiques. Vous comprenez? Hein? Donc là, c'est vrai pour tout le monde. Vous voyez? Je ne suis plus dans le cas singulier, parce que le cas singulier, c'est telle personne qui m'attire, puis pour un autre, c'est une autre. Vous voyez? C'est pas la même. Pourtant, je recherche dans toutes mes activités ce qui me motive dans mon activité pratique, éthique de l'amour, ben, c'est ce bien qui m'attire et que je veux rejoindre. Alors voilà un principe propre qui me permet d'entrer dans une analyse philosophique parce que j'ai un principe universel. C'est le bien qui motive toutes mes activités humaines, même si je ne sais pas quelle est la nature de ce bien. Je mets en évidence que je suis mu constamment et je peux faire l'analyse de toutes mes activités toute la journée, mais vous verrez que toutes sont ordonnées toujours à rechercher un bonheur. Pas un bien-être, mais un bonheur. Donc, le bien principe propre. La causalité qui me fait toucher le nécessaire. Je peux établir une philosophie éthique. Alors après, il y a une petite réflexion critique, c'est-à-dire une réflexion sur la connaissance qu'il vient d'acquérir, quelle est la précision de cette analyse philosophique et dire, je ne peux pas demander la même précision dans une analyse philosophique qui touche
des activités humaines pratiques qui sont contingentes, je ne suis pas demandé la même précision qu'une analyse philosophique qui étudierait l'être, qui ne change pas. Vous voyez, un objet qui est nécessaire. Alors là, il y a une précision beaucoup plus grande, parce que l'objet de l'étude, il ne bouge pas. C'est l'être qui est. Tandis qu'en éthique, on se trouve en face d'activités humaines qui peuvent varier. Mais l'analyse philosophique est possible, j'ai trouvé un principe propre. Un principe propre qui vaut pour tout le monde. Et une causalité qui touche au nécessaire. Donc je peux faire une analyse éthique. Ça ne me dit toujours pas quel est le bonheur. La nature du bonheur. Je sais que je peux entrer dans une analyse philosophique, que je peux faire des liens de causalité, hein, parce que le bien, il suscite en moi des actes. Je vais analyser ces actes. Quel est le premier acte? C'est l'attraction du bien. Puis après, il y en a d'autres qu'on va étudier progressivement, on va voir. Hein, on va détailler toutes les étapes de l'activité humaine pratique de l'amour. On va scruter un petit peu. Alors, Aristote se pose la question, quelle est la nature du bien? Est-ce qu'on peut dire que... quelle est la nature du bonheur, je voulais dire. Hein? Quelle est la nature du bonheur? Est-ce qu'il y a une analyse qui nous permet de découvrir que le bonheur est le même pour tous? C'est gonflé, hein, de dire ça. Hein? Il n'a pas dit explicitement, mais c'est ce qu'il fait. Il recherche pour savoir est-ce qu'il y a un bonheur qui est commun à tous les hommes. Et il dit, ben oui. Comment ça? Eh bien, puisque le bien est fin, la fin, ce n'est pas un terme. La fin, c'est ce qui porte à un accomplissement. Si je désire un bien, c'est que ce bien, parce que je désire, c'est que ce bien me manque. Hein, spontanément, d'une personne qu'on aime, on dit « tu me manques ». Vous voyez ? Donc, ce bien qui est fin, c'est-à-dire qui va motiver tout mon agir pratique humain, il m'achève, puisqu'il me manque. Et quand je suis uni à ce bien, il m'achève. Donc le bonheur, qui est le bien ultime, celui que je recherche éperdument, il m'achève. Donc, ce bien sera nécessairement dans une activité humaine la plus élevée qui soit, parce que ce qui me manque au plan personnel, c'est pas le carré de chocolat. Hein? C'est nécessairement un bien capable d'accomplir et d'achever toute ma personne humaine. Hein? Pas seulement une partie, le chocolat, ça, c'est bon pour l'estomac, c'est bon pour, pas trop pour le foie si j'en mange trop, hein? Mais c'est bon pour le corps, mais pas pour l'esprit. Donc le bonheur, ça sera certainement un bien capable d'achever toute la personne humaine. Donc, une activité humaine spirituelle, la plus parfaite qui soit. C'est-à-dire une activité humaine perfectionnée par un habitus, qui rend un habitus, hein, on va découvrir ce que c'est aujourd'hui justement, c'est une activité qui rend, c'est une qualité qui rend l'activité humaine parfaite. Donc, l'activité spirituelle la plus élevée, mais perfectionné par des qualités. Vous voyez, par exemple, je peux agir de façon passionnée. Eh bien, cette activité de la passion, si elle n'est pas mesurée, elle ne me fera pas atteindre le bien que je désire. Hein, par exemple, je suis passionné de chocolat, ben je vais en manger en excès, ben ça ne me permettra pas de prier. Ça ne me permettra pas, je vais dormir. Parce que la digestion est lourde. Je vais être malade. Vous voyez, mes activités humaines sont plus ou moins parfaites. Et pour atteindre le vrai bien, le bonheur que je recherche, c'est nécessairement une activité qui va me faire toucher une fin, qui va m'accomplir, qui va m'achever. Donc, il faut que ça soit une activité humaine parfaite, puisqu'elle m'achève. Donc, qualifier... Puisque je vois que mon agir humain est plus ou moins parfait, si je recherche l'activité humaine la plus spirituelle et la plus parfaite, c'est une activité humaine qui sera qualifiée par quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais qualifiée par quelque chose. Alors la tradition appelle ça la vertu. La vertu permet à l'acte humain d'être parfait.
Vous voyez, si je mange trop de chocolat, ça va pas. Si j'en mange jamais, ça va pas, parce qu'il y a des bonnes choses dans le chocolat. Donc il faut que j'en mange de façon juste. C'est ça la vertu. Hein? Alors transposé au plan spirituel, il y a aussi des activités spirituelles qui peuvent être en excès ou en défaut. Je cherche jamais la vérité. Et ben ça me permettra pas d'atteindre ma faim. Je la cherche tellement que je ne dors plus. Ça ne me permettra pas d'atteindre ma faim. Il y a quelque chose qui est une mesure juste pour chaque activité. Et qu'est-ce qui rend l'activité parfaite, humaine parfaite, qui me fait à coup sûr atteindre la faim? C'est ce qu'on appelle une qualité nommée vertu. C'est la vertu. Alors naturellement, après avoir fait tout ce processus, Aristote, donc l'analogie du bien, le bien est fin, le principe propre qui me permet d'entrer dans une analyse philosophique, après je découvre la nature du bonheur qui est dans une activité spirituelle humaine parfaite. Parfaite veut dire qualifiée par la vertu. Et bien naturellement, qu'est-ce qu'on fait après? On va rechercher qu'est-ce que c'est que la vertu. Donc tout ce processus que je viens de vous décrire, c'est le livre 1 de l'éthique à Nicomaque. Il y a 10 livres, hein. C'est le premier livre. Donc Aristote découvre que le bonheur est le même pour tout le monde, hein. C'est l'activité humaine, spirituelle, la plus parfaite qui soit. Et il dit, il y en a deux. Il y en a une, plutôt du côté de l'intelligence, c'est la contemplation. Qualifiée par quoi? Par quelle vertu? C'est plus une vertu, on appelle ça un habitus. C'est la sagesse. Et au plan volontaire, puisqu'on a deux facultés dans l'âme, hein, notre vie spirituelle, elle a deux aspects. Intelligence, recherche de la vérité, et amour, la volonté. Du côté de la volonté, quel est le bonheur? C'est l'amour. Et l'amour, alors il se pose la question, quelle est la vertu qui qualifie et rend parfait l'amour? C'est une vertu qui permet de ordonner toute l'affectivité que j'ai vers ce bien personnel qui est spirituel. Alors, qu'est-ce qui permet d'ordonner tout l'appétit, en particulier l'appétit sensible, hein, qui est désordonné en moi, hein. Et bon, le philosophe n'a pas l'explication, non, c'est que c'est le péché originel, hein, qui fait ça, hein. Le philosophe, il sait pas ça. Mais il constate qu'il y a un désordre. Hein, que facilement les passions nous font excéder ou au contraire manquer. Alors, pour atteindre ma fin, qui est le véritable amour, il faut quelque chose qui me permet d'être. C'est la prudence. La prudence qui me permet d'agir justement. Mais le bonheur n'est pas dans la prudence. Parce que la prudence, elle est ordonnée à l'agir vertueux. Et ça ne me, me rend pas heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est d'aimer une personne. Et dit, l'ami, la personne humaine qui m'attire, c'est plus que la vertu. La vertu ne me rend pas heureux. Elle est nécessaire pour être heureux. Mais ce n'est pas faire un acte de prudence qui va me rendre heureux. Mais aimer une personne, oui, ça me rend heureux. Mais la prudence est nécessaire pour ça. Vous comprenez? Hein? Donc, le bonheur, c'est l'amour au plan pratique affectif et au plan spéculatif de recherche de vérité, c'est la contemplation. La contemplation de l'être promis s'il existe. Parce que pour le moment, dans l'éthique, c'est pas le lieu de découvrir l'être premier. Hein. Ça sera le lieu de la métaphysique, hein, qui s'étudie l'être. Voilà, donc, après avoir fait toute cette démarche, du livre 2, il y a 10 livres, hein, dans l'éthique à Nicomaque, du livre 2 au livre 8 compris, c'est-à-dire de 2 à 8 compris, c'est l'étude de la vertu. Donc c'est le principal de toute l'éthique. Hein. Mais le livre 1 est plus important parce qu'il commande tout le reste. Vous voyez ? L'étude de la vertu n'est pas possible si je ne découvre pas que le bien est cause et motivation de mon agir pratique humain. Cause et motivation. La vertu, elle est là pour unifier tout ce qui est en moi qui est anarchique, qui part dans tous les sens. Vous voyez ? Alors c'est pour gérer un petit peu mon capital de vie en vue de la finalité, c'est en vue d'aimer une personne humaine. Voilà ce que fait la vertu, c'est pas secondaire, hein. Alors il dira, eh bien, la vertu est nécessaire
pour le bonheur pratique, hein, qui est l'amour, le bonheur d'amour, tandis que pour la contemplation, ce n'est plus nécessaire. C'est une disposition seulement. Alors, l'étude de la vertu, donc, livre 2 ou livre 8. Ça, c'est très important, hein, parce qu'au plan surnaturel, ça se retrouve, hein. Comment Jésus peut-il enseigner à la femme samaritaine qui a eu 5 maris, qui en est à son 6e, l'adoration en esprit en vérité? Elle n'est pas vertueuse, elle est passée de mari en mari. Comment Jésus peut lui apprendre l'adoration en esprit en vérité? Ben parce que la contemplation ne requiert pas la vertu. C'est une disposition, ce n'est pas nécessaire. Pour l'amour humain, c'est nécessaire, mais pas pour la contemplation. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, il faut négliger pour la contemplation la vertu et dire « ça ne me sert pas, donc j'en ai rien à faire ». Et puis, non. Petit à petit, la contemplation va engendrer en moi de vraies vertus. Mais pour entrer dans la contemplation, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Eh bien, Aristote va dire « c'est l'enseignement ». J'acquiers les habitus contemplatifs, il y en a 3, sagesse, intelligence et science. Et il met la prudence, il dit, pour Aristote, c'est une vertu intellectuelle, la prudence. Pratique, hein, de l'intellect pratique. Il y a l'intellect spéculatif, qui recherche la vérité pour elle-même, et l'intellect pratique, qui recherche la vérité dans leur pratique, de l'activité humaine, ce que nous faisons actuellement. Hein. Donc, pour le bonheur, qui est la contemplation, il faut la sagesse, qui s'acquiert par l'enseignement, c'est-à-dire je reçois l'enseignement et petit à petit je deviens sage. Je fais de la métaphysique et petit à petit ben, je découvre que nécessairement existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Et si je le découvre de façon nécessaire, alors ma vie est changée. Je ne peux pas vivre de la même manière. Si je sais qu'il y a une réalité première, eh bien je dois me rapporter à lui en premier lieu, c'est l'absolu, qui dépasse l'amour humain. Qui dépasse l'amour humain. Parce que l'amour humain, il est limité. Tandis que Dieu, c'est l'absolu. Et donc, je dois me dédier à la contemplation. Ça ne veut pas dire que je dois laisser de côté l'amour humain, c'est pas ça. Parce que l'amour humain va me permettre aussi d'entrer dans la contemplation. C'est un autre chemin. Mais je peux y accéder directement. Puisque la vertu n'est pas nécessaire, elle est une disposition. Hein? Alors, pour l'étude de la vertu, donc après le livre 9, c'est l'analyse de l'amitié, les différents types de l'amitié, et puis le livre 10, c'est le livre sur la contemplation, mais vu du point de vue éthique, hein, c'est-à-dire l'agir contemplatif. Hein. C'est la métaphysique qui va étudier l'objet de la contemplation, Dieu, et l'éthique va étudier l'activité pratique de contemplation. Hein. Quel type de bonheur ça donne. Alors, la vertu, donc, vers le livre 2 au livre 8, une longue étude hein, que Aristote mène, d'abord en commençant par la justice, et là on voit qu'il est dépendant de Platon, hein, parce que c'était la grande vertu pour Platon, hein, la justice, hein. Et puis après, voilà. Alors, qu'est-ce que la vertu? Première question, qu'est-ce que c'est que la vertu? Pour découvrir ce que c'est la vertu, il donne 3 points. La première, c'est la distinction entre habitus intellectuel et vertu morale, hein, parce que si on étudie les qualités qui permettent d'agir parfaitement au plan de l'amour, ce n'est pas les mêmes que les qualités qui permettent d'agir parfaitement dans la contemplation, ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc, comment on les distingue? On les distingue à partir des facultés qu'elles ennoblissent. Elles les ennoblissent puisqu'elles leur permettent d'agir parfaitement. Alors, la contemplation, c'est l'intelligence, et l'amour, c'est la volonté. Donc, les qualités qui ennoblissent les activités de la volonté, de l'affectif, ça s'appelle les vertus morales. Les qualités qui ennoblissent les activités de l'esprit contemplatif, c'est des habitus, sagesse, on appelle ça des habitus, pas des vertus, hein, pour bien distinguer les deux champs de l'activité de la volonté, de l'activité de l'intelligence. Hein. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de dire que, pour préciser qu'est-ce que c'est que cette vertu, de remarquer que
elles ne sont pas innées. On ne naît pas vertueux, on le devient. On le devient par répétition d'actes bons. Et on fait un acte de prudence, puis on en fait un autre, puis on en fait un autre, puis on en fait un autre, et petit à petit on devient prudent. Hein? Tandis qu'il y a d'autres facultés qu'on a, d'autres qualités qu'on a, qui sont innées. Pas des vertus, hein? Mais par exemple, la volonté, l'intelligence, c'est des qualités de la personne humaine qui sont innées. Ça ne s'acquiert pas. Hein? Donc, la vertu est une qualité qu'on acquiert. On acquiert par répétition d'actes. L'acte bon, il me fait atteindre le bien que je désire, qui m'attire. L'acte bon vertueux me fait atteindre le bien que je désire. Donc, ce n'est pas des espèces d'actes différents. Et pourtant, il y a une différence. Ce n'est pas des espèces d'actes, hein, comme chercher la vérité et aimer. C'est des espèces d'actes différents, ça. Ça n'a rien à voir. L'acte bon, non vertueux, mais bon. Et l'acte bon, vertueux, ce n'est pas des espèces d'actes différents. Mais qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est l'intensité. C'est l'acte bon, non vertueux, il sera difficile. Pour quelqu'un qui n'a pas la vertu, ça va être difficile. Et du coup, acquérir la vertu, vous voyez, il y a des difficultés, hein, c'est pas commode. Hein. Quand on n'est absolument pas prudent, et la première fois qu'on veut poser un acte de prudence, ça va être difficile. Hein. Ça ne va pas être agréable. Parce que ça change notre manière, et tandis que l'acte vertueux, il est délectable. Non seulement il s'accomplit spontanément, il n'y a pas à se creuser la tête, mais en plus, il y a un plaisir à le faire, parce qu'il me fait atteindre ma fin directement. Vous voyez ? Et donc, la vertu, par l'acte bon vertueux et l'acte bon non vertueux, a cette différence que l'acte vertueux bon, il est délectable. L'acte bon non vertueux, il est pénible, au point de départ, hein. C'est pour ça que devenir vertueux, ça prend du temps, parce qu'il faut répétition d'actes, et puis c'est pas facile. C'est une lutte, c'est un combat pour devenir vertueux. Hein. Vous voyez, la tendance vers le bonheur, qui est l'amour, eh ben, c'est un combat, hein, au départ. Hein, parce qu'il y a en nous des tendances qui nous portent à l'excès ou au contraire, à être timoré, qui nous empêche d'avoir l'audace de dépasser les difficultés pour rejoindre le bien qui nous attire. Hein. Vous voyez, c'est pas si facile que ça. Et là, il se dit, eh bien, ça prend du temps d'être vertueux. Ça prend du temps. Et les jeunes n'en sont pas capables. Parce que quand on est jeune, on a trop de passions. Et les passions nous portent toujours à l'excès. Il faut un certain âge pour devenir vertueux. Vous voyez ? Et un combat, et une lutte. C'est pas facile. Alors il dit, eh bien, à cause de cela, puisque cette qualité de la vertu est délectable, elle permet à la puissance qu'elle ennoblit d'agir selon toutes ses capacités. Puisque c'est délectable, ça me motive. Et donc, j'y mets tout moi-même dans cette activité. Or, l'activité affective, elle recherche quoi? Elle recherche un plaisir. Pas forcément un plaisir charnel. Le plaisir d'aimer quelqu'un, par exemple, d'aimer une personne humaine, c'est un plaisir spirituel. Quand vous découvrez la vérité que ça vous illumine, il y a un véritable plaisir de l'intelligence. Vous voyez, qui n'a rien de charnel. Donc, toute mon affectivité est toujours à la recherche du plaisir, mais un plaisir qui peut être complètement spirituel. Alors, si la vertu me permet d'agir de façon délectable, eh bien, la premier rôle de la vertu, ça va être d'ennoblir ce qui en moi rend les choses difficiles. Puisque mes facultés affectives recherchent toujours le plaisir.
voyez ? Et ce qui m'empêche d'atteindre le plaisir, ce sont mes passions. Donc le premier rôle de la vertu, ça va être d'agir sur les passions. Les passions, c'est quoi ? C'est des facultés appétitives sensibles. Vous voyez, la faculté appétitive spirituelle, qui est la volonté, aimer une personne humaine, mais la personne humaine, elle a un corps. Et donc, ça éveille aussi les passions. L'aspect sensible, le corps, il est sensible. Vous voyez ? Et donc, les passions, c'est ça. C'est l'affectivité sensible. Alors, en philosophie du vivant, on étudie ça beaucoup plus en détail. Hein. En éthique, on fait que constater. Hein. Constater que dans mon activité pratique humaine, ben, j'ai des pulsions, on pourrait dire, hein, affectives sensibles qui me portent au bien sensible de façon exagérée. Ou alors, quand je m'en suis rendu compte, du coup, j'élimine. Hein, et je me protège. Et puis alors, du coup, c'est pas bon non plus. Vous voyez, alors il faut que j'agisse de façon juste. Mais juste, pas de la justice. Hein, de façon juste pour atteindre ma fin. Alors, la vertu ennoblit la faculté appétitive, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit sensible. Mais le premier rôle, c'est tout ce qui m'empêche d'atteindre ma fin. C'est-à-dire cet appétit sensible désordonné. Donc la vertu aura pour premier but, c'est ça, de modérer un petit peu mes appétits sensibles. Voilà. Alors il dit, eh bien la vertu, c'est une disposition stable. Une disposition stable, pourquoi ? Parce que ça s'acquiert par la répétition d'actes qui sont bons, et après, j'ai pu à les acquérir, ça se fait spontanément. Donc c'est une disposition permanente, stable, permanente. Il y a des dispositions qui ne sont pas stables, qu'on perd facilement. Puis il y a des dispositions qu'on acquiert et qui sont stables. Vous voyez par exemple un artiste, quand il travaille sa matière, il acquiert un habitus. Après c'est automatique, il a pu acquérir des choses. Il les a acquises et c'est stable. S'il n'exerce plus son activité pendant des années, il perd. Mais s'il exerce régulièrement, il n'a pas à acquérir déjà tout ce qu'il a appris, c'est stable. Bien, la vertu, c'est ça. Je multiplie les actes bons, et petit à petit, ça se fait spontanément tout seul. C'est acquis. Je n'ai pas recommencé tout le travail. Donc, c'est une disposition stable. Aristote se dit, mais quel type de disposition stable c'est ? Alors pour ça, il dit, eh bien, la vertu, ça me permet d'agir de façon juste dans tous les cas, mais d'une justice qui est parfaite. Alors attention, hein, c'est pas la justice au sens où on l'entend habituellement, hein, c'est-à-dire la loi, c'est pas ça. Hein, agir d'une manière juste, c'est-à-dire parfaite, qui me permet d'atteindre ma fin. Et il dit, eh bien, c'est un juste milieu, c'est cette justice-là, hein, un juste milieu entre l'excès et le défaut. Vous voyez ? Un juste milieu, c'est ça la vertu. C'est une disposition stable qui me fait atteindre un juste milieu entre deux excès. Et au fond, c'est quoi ? Eh bien, c'est une disposition stable qui me permet de choisir. De choisir bien, le bien qui me convient et l'activité qui va me permettre d'atteindre ce bien. Hein? La vertu est une disposition stable de l'appétit qui vise le juste milieu. Tel, ajoute Aristote, qu'un homme prudent le ferait. Pourquoi il ajoute ça ? Tel qu'un homme prudent le ferait. Parce qu'il dit, ce juste milieu, il est relatif à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, on ne peut pas dire pour tout le monde, c'est la même chose. Hein? Le chocolat, ben, y en a qui ont des foies en béton, ils peuvent en manger sans être malades, en continu. Vous voyez ? Alors, bon, ce n'est pas bon non plus, parce qu'il y a la digestion. Hein? Mais disons que la prudence dans le manger du chocolat est différente pour moi, qui aime le chocolat et qui a un bon foie, que pour quelqu'un qui a un foie fragile. Ce n'est pas la même chose. La prudence est un juste milieu qui est personnel. Alors Aristote dit, il faut que je découvre quelles sont mes tendances mauvaises pour
ajuster pour faire l'acte juste, du juste milieu. Tant que j'ai pas découvert mes limites, je serai jamais prudent. Il faut que je sache quels sont mes défauts. Il faut que je sache quels sont mes empêchements. Et ça se fait au point de départ à tâtons. Je ne sais pas quel est tout de suite quel est le juste milieu entre les excès. Il faut que je fasse des expériences pas trop mauvaises, hein, parce que si elles sont trop mauvaises, ben c'est catastrophique. Et ça crée le contraire de la vertu qu'on appelle le vice. Hein, quand j'agis toujours en excès, eh ben j'acquiers aussi un habitus, hein, un habitus mauvais, qui fait que tous mes actes sont ratés. C'est-à-dire que je fais toujours en excès, et ça racine en moi. Hein. C'est le vice, c'est le contraire de la vertu. Voilà. Donc, la vertu, c'est une qualité qui rend mes actes pratiques, affectifs, selon une juste mesure, tels que l'homme prudent le ferait. Alors, je vous lis un petit passage. Vous n'avez pas tout lu, les passages que je voulais vous lire, mais ce n'est pas grave. Alors, juste ce passage sur ce qu'est la vertu. Donc, livre 2, chapitre 6, 1106, B36, 1107, A1. Ainsi donc, la vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, donc le choix, vous voyez, hein, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée comme le déterminerait l'homme prudent. C'est pas facile, hein, de découvrir pour chacun d'entre nous quel est le juste milieu. Hein. C'est une expérience de vie. Voilà. Et petit à petit, je m'ajuste. Et qu'est-ce qui me permet de trouver le juste milieu? C'est l'attraction du bien. Si je suis attiré par une personne et que je vois que j'agis mal, j'atteindrai jamais cette personne comme il le faut. Et donc, ça rectifie en moi. La prochaine fois, je ferai mieux. Vous voyez? Pour atteindre mon bien, c'est l'amour qui va commander la vertu. C'est important, ça. C'est l'amour du bien, l'attraction que le bien exerce sur moi, qui va commander la manière juste de me rapporter avec le bien qui m'attire. Parce que quand je me trompe, je le paye cher. C'est-à-dire, j'aime cette personne et j'arrive pas à l'aimer comme il faut. Puis je suis toujours en échec. Parce que je trouve pas le juste milieu. Vous voyez? Alors, c'est pas toujours comme ça. Faisons attention. L'éducation, par exemple, hein, un enfant, il ne sait pas aimer une personne. Il n'a pas encore l'esprit suffisamment développé pour pouvoir aimer une personne spirituellement. Donc, on l'éduque à la vertu, à poser des actes bons répétés, mais de façon plutôt artistique. On lui montre l'exemple, il faut qu'il répète. On lui fait faire une expérience de la faim, vous voyez, de façon un peu artistique. Exemplaire, l'enfant il a besoin, parce que l'amour il connaît pas encore trop, il est dans les passions surtout, hein, mais il n'est pas dans l'amour spirituel au départ. Donc pour rectifier un peu ses passions, eh bien c'est l'exemple. Mais ça suffit pas, il faudra passer à autre chose. Parce que ça c'est un peu stoïque, vous voyez, c'est l'exemple, c'est la loi. Hein, il faut faire comme ça, il faut imiter la loi, on l'imite. Ça tient un moment, puis à un moment donné, il faut changer. Hein. Il faut qu'il arrive à découvrir des amis, qu'il ait des amitiés, pour refonder ses acquisitions de vertu, commandées par l'amour, c'est-à-dire que ça va être personnel. Et ça ne va plus être de l'extérieur qui va acquérir la vertu. Vous voyez, dans l'éducation, ça c'est nécessaire. Vous voyez, il faut qu'il y ait ce passage. Et ce passage, il se fait quand? Quand l'enfant est capable d'avoir des amis. Déjà. Pas au point de départ. Des camarades de classe, c'est peut-être pas suffisant. Vous voyez? Il faut qu'il ait des véritables amis pour acquérir vraiment la vertu. Et une vertu qui ne se perdra pas. Tandis que tant que c'est la loi, l'éducation par la loi, ça ne tiendra pas. Parce que c'est pas suffisant pour motiver. C'est l'amour qui motive. Vous voyez? La loi, ça va bien un moment, puis après... Oui. Est-ce que l'amour de l'enfant pour les parents fait partie de cette motivation? Tout à fait. Et au point de départ, vous voyez, l'enfant, il a un rapport avec ses parents très sensible.
Et petit à petit, ça se spiritualise. C'est pour ça que pour les parents, c'est très important d'établir une relation d'amitié avec l'enfant. Amitié, ça ne veut pas dire que je le considère comme une personne humaine. Hein, c'est que je laisse libre. Une personne humaine, elle est libre, vous n'allez pas lui imposer de faire... C'est pas ça. Mais un rapport de confiance. Vous voyez, un rapport de confiance pour que d'une part l'enfant puisse s'ouvrir sans difficulté, parce qu'il a confiance en ses lui, puisse tout dire, les bêtises qu'il fait. Hein, et puis, en même temps, acquérir déjà le respect des parents. Mais le respect, ça c'est une vertu spirituelle, c'est la justice. C'est la vertu qui ennoblit la volonté. C'est la plus noble, hein. D'une certaine manière, plus noble que la prudence. Mais commandée par la prudence. Hein? Puisque la justice est un juste milieu entre le copinage avec les parents puis le respect tellement extrême que je n'arrive plus à leur parler. Vous voyez? Il y a un juste milieu. Et ça, c'est établi par la prudence. Vous voyez? Donc la prudence commande la justice, mais la justice est plus noble. Parce qu'elle touche un bien. Alors que la prudence, c'est l'intellect. Vous voyez, je découvre petit à petit la mesure juste. Hein? C'est pour ça qu'Aristote met la prudence dans les vertus intellectuelles, mais pratiques. Hein? Voilà, puis l'autre passage que je voulais vous lire, c'est ce que je viens de vous dire à la fin, ça se trouve au chapitre 9 du livre 2. Nous devons en second lieu considérer quelles sont les fautes pour lesquelles nous-mêmes avons le plus fort penchant. Chez chacun, c'est différent, vous voyez. Chez certains, ça sera le manger et le boire. Chez d'autres, ça sera l'aspect sexuel. Chez d'autres, ça sera d'autres choses, hein, je ne sais pas. Le parler abondamment, ça sera la paresse, ça sera... etc. Hein. Nous devons en second lieu considérer quelles sont les fautes pour lesquelles nous-mêmes avons le plus fort penchant, les uns étant naturellement attirés vers telle faute et les autres vers telles autres. Nous reconnaîtrons cela au plaisir et à la peine que nous en ressentons. Nous devons nous en arracher nous-mêmes vers la direction opposée, car ce n'est qu'en nous écartant loin des fautes que nous commettons que nous parviendrons à la position moyenne, comme ceux qui redressent le bois tordu. Oui, on a des tendances mauvaises en nous, hein. Alors, heureusement, nous avons l'explication, hein, c'est le péché original, comme je le disais tout à l'heure, hein. Le philosophe, il ne sait pas la cause, hein, mais il constate que chez tout le monde, il y a des tendances mauvaises, qui sont excessives, ou au contraire, en manque, on est trop timoré. Et donc, il faut agir au contraire de ces tendances mauvaises pour trouver le juste milieu et cheminer plus rapidement vers la fin. Hein? La vertu nous fait agir spontanément, donc c'est plus rapide, et puis, comme ça me fait atteindre ma fin, ça me motive encore plus. Hein? Je suis plus motivé quand je suis vertueux que quand je ne suis pas. Voilà. Bon, eh bien, nous avons suffisamment dit. Oui, dites. Oui, dites. Parce que quand vous dites que l'enfant, il a besoin d'apprendre à aimer, c'est quand même inné. On est fait pour aimer. Oui, il doit apprendre à être vertueux, hein, de façon... D'accord. L'amour, c'est spontané. Ah oui. Ça s'apprend au sens que s'il n'y a pas l'acquisition des vertus, on n'apprendra pas à bien aimer. Hein? Mais c'est vrai que c'est inné, l'amour c'est inné, c'est une faculté que nous avons, hein, qui ne s'acquiert pas, c'est naturel. Mais apprendre à aimer de façon lumineuse, oui, c'est-à-dire selon une façon droite et une façon qui permet d'atteindre le bien tel qu'il est. Oui, et non pas tel que je me l'imagine. Il la passion. Faire par amour pour sa maman. Comment? Pour faire plaisir à maman. Il va faire ça pour faire plaisir oui, à maman. Oui, ça, oui, c'est oui. Oui, oui, bien sûr, c'est aimer ça déjà. Oui, c'est une vertu, voilà. De vouloir faire plaisir à sa maman. Oui, c'est une... Aimer sa maman en voulant lui faire plaisir, c'est déjà une vertu. Voilà, simplement, qu'est-ce qui fait plaisir à maman? C'est la maman qui lui dit. Vous voyez? Oui, il ne le découvre pas par lui-même. Tandis que dans la vertu, motivé par l'amour, je le découvre. C'est une auto-éducation. Vous voyez? Et l'enfant n'en est pas capable. Sur ça, je parlais de la loi. C'est la maman qui lui dit, si tu veux me faire plaisir, tu fais ça. Comme il aime la maman, il va le faire. Mais ça vient de l'extérieur, vous voyez, il ne le découvre pas de l'intérieur.
Et à un moment donné, il va falloir qu'il le découvre tout seul. Parce que ça, ça le construit. J'ai une autre question. Comment, en philosophie, on peut contempler quand on n'a pas découvert Dieu ? C'est ça. On ne peut pas. On ne peut pas contempler. Il faut Donc, d'abord... Le bonheur, on va pas le savoir que c'est la contemplation. Il faut faire la métaphysique, oui. Il faut faire la... Ça, c'est la limite du philosophe. Hein. C'est difficile. C'est la limite du philosophe. Au plan chrétien, Dieu a eu pitié de nous, il s'est révélé. Vous voyez ? Déjà dans l'Ancien Testament. Hein, Dieu a eu pitié. Mais c'est ce que dit saint Thomas dans la première question. Il dit, pourquoi Dieu a voulu se révéler ? Puisque le philosophe est capable de découvrir par lui-même l'existence de Dieu. Il dit, c'est par miséricorde, parce que Dieu sait que c'est un labeur qui est difficile, pénible, et que peu y arrivent. Donc par miséricorde, il s'est révélé. À tous. Pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Parce que du coup, le bonheur pour les gens qui n'ont jamais rencontré Dieu... C'est difficile. Il se limite au bonheur humain. Voilà, c'est ça. C'est difficile. Alors, il y a toujours, puisque Dieu nous a créés, vous voyez, au plan chrétien, on peut dire, Dieu nous a créés pour lui. Donc, il y a toujours dans l'homme une soif d'absolu. Et cette soif d'absolu, alors les hommes se trompent, parfois ils le mettent dans la nature, dans le soleil, dans la mer, dans l'eau, dans les éléments. Mais parfois, il y a véritable conscience de quelque chose qui dépasse tout et qu'on honore. Donc même s'ils ne savent pas que c'est Dieu, il y a la conscience quand même qui s'éveille et qui peut atteindre quelque chose de vrai. Même si on n'a pas fait la démarche métaphysique, l'avantage de la démarche métaphysique, c'est qu'on a la certitude, oui, puisqu'on avance par nécessité. Et donc on touche et on est sûr. Mais il y a la conscience quand même, la loi de la conscience, hein, qui fait que petit à petit, il y a quelque chose qui s'éveille et qu'on a le pressentiment qu'il y a un absolu qui existe et qu'on honore. Quoi. Il faut encore éclairer sa conscience. Mais... Voilà. C'est tout à fait. Tout à fait. Mais c'est l'agir, vous voyez, l'agir humain, rectifié, éclaire déjà beaucoup la conscience. Non, ça veut dire, alors au plan philosophique, au plan chrétien, oui, c'est aimer Dieu. Mais au plan philosophique, c'est découvrir le plus possible Dieu tant qu'on à la mesure des capacités de notre intelligence. Hein. Et on peut dire déjà beaucoup de choses sur Dieu. On ne peut pas savoir ce qu'il est, mais on peut savoir certaines choses sur sa manière d'être. Quand on dit que Dieu est infini, que Dieu est esprit, que Dieu est bonté, que Dieu est partout présent. Ça, c'est des manières dont Dieu existe. Mais ce qu'il est, j'en sais rien. Ni pour le chrétien, ni pour le philosophe. C'est donc cet acte-là, la contemplation. C'est découvrir Dieu. Oui, c'est découvrir Dieu. Et contempler, ça veut dire chercher à le connaître. Contempler. C'est chercher à connaître, au plan philosophique, hein, chercher à connaître Dieu le plus possible. Est-ce qu'on peut dire que adhérer à la présence de Dieu et être tourné vers, c'est déjà le début de la Bien sûr, bien sûr. Une fois que j'ai découvert l'existence de l'être premier, vivre de sa présence et chercher à le connaître en vivant de sa présence, c'est contempler. Voyez, si je ne suis pas philosophe, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitus pour découvrir Dieu, qui il est, comment il est, cette partie de la contemplation qui est très philosophique, je ne peux pas la faire si je ne suis pas philosophe. Mais si j'ai la conscience d'un absolu, voilà, je peux vivre de sa présence, vous voyez, tout le temps. Mais normalement, seul le philosophe est un vrai contemplatif. Tant que je ne suis pas chrétien, il n'y a que le philosophe qui peut être contemplatif. Vous voyez. Autrement, ça repose sur une conscience, ça repose sur une conscience qui est fragile et qui n'a pas la stabilité qu'a la découverte de la vérité. La découverte nécessaire de la vérité. La contemplation chrétienne ? La contemplation chrétienne, c'est un amour de Dieu. Hein, puisque la connaissance m'est donnée par révélation. Hein. Donc j'ai pu à rechercher. Dieu m'a révélé tout. Il m'a révélé plus que sa manière d'être. Il m'a révélé sa vie intime. Hein, c'est-à-dire, il est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il me donne le moyen de le contempler. C'est la grâce. Vous voyez, je contemple Dieu par le don de Dieu. Dieu me donne un don qui me permet de le contempler. Foi, espérance et charité. Non, c'est la charité d'abord. Oui, c'est l'union à Dieu. Comment ?
En philosophie, c'est l'intelligence. Ah oui. Ah oui. Alors que, au plan chrétien, l'amour passe devant parce que la connaissance c'est m'est ça. Donnée déjà. Oui. Et donc, je peux l'aimer. Alors, en philosophie aussi. Hein, une fois que j'ai découvert l'existence de l'être premier et que je vois que Dieu est bonté, je dois l'aimer. Et ça fait partie de la contemplation. Si Dieu est bonté, alors toute ma vie est transformée puisque le bien motive mon existence et mes actes. Ma vie est transformée quand j'ai découvert l'existence de l'être premier. Et je cherche à l'aimer et à vivre de sa présence. Combien de philosophes ont découvert Dieu bonté ? Comment le philosophe... philosophes ont découvert Dieu comme bonté ? Ah, bah, ça, il y en a beaucoup qui le disent, mais qui l'a découvert, je vois qu'Aristote. Bon, moi, je ne connais pas d'autres. C'est prophétique. Non, ce n'est pas prophétique, parce que le prophète, il est inspiré. Et Aristote fait une démarche philosophique. Vous voyez, il cherche la vérité de façon nécessaire. Il passe d'étape en étape, hein, graduellement, jusqu'à la conclusion. Oui, jusqu'à l'absolu. Donc, ce n'est pas une inspiration, c'est scientifique. C'est scientifique, oui. Vous voyez, la science réclame la nécessité, des liens de nécessité, l'universalité, voyez, et Aristote l'a fait dans la métaphysique, mais c'est très 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 difficile. Il faut avoir un maître qui vous montre le chemin, parce que sinon, tout seul on n'y arrive pas. Hein. Il y a quelqu'un de plus intelligent que nous qui a fait déjà le parcours, et puis on peut suivre. Voilà, mais c'est prophétique dans un autre sens, si vous voulez. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.